Salut à tous, c'est Greenly de retour sur les Playthroughs de Castlevania Aria of Sorrow. Donc après une pause franchement longue, un mois quand même, je m'attendais pas à vous lâcher pendant aussi longtemps. Je reprends. Donc là il faut que je me refamiliarise un peu avec les commandes, tout ça. On se balade. Donc j'avais quelles âmes déjà? Plus man, ça craint. Donc on va plutôt prendre. Tiens, le fantôme. C'était bien ça. C'était toujours marrant à faire. Tiens, par contre, c'était quoi déjà l'âme du chasseur de tête? Collectionne âme pour plus de force. J'ai du mal à comprendre. C'est. Bon, bah en gros, c'est un des meilleurs trucs. Très bien. Bon, donc on va retourner se balader dans le château de Dracula. Donc, toujours avec ce Macruz, n'est-ce pas? Notre petit taré à moitié violeur avec son couteau. Sérieusement, qu'est-ce qu'il foutait dans. Pour aller dans un temple avec un couteau? Ou une sorcière, je n'aime pas elle. Même si c'est une femme avec une belle poitrine, à partir du moment où elle veut vous balancer des boules de feu sur la gueule, éloignez-vous. Conseil d'amis. Ça, c'est quoi? C'est Durga mutante, bouclée. Bah, elle dure aussi longtemps que les Durga. Hein. On va à droite, on va en bas, on monte. Allez, on va vers le haut. Toujours plus haut, toujours plus fort. D'accord, il faut la gauche. Ça, il faut sauter par-dessus, si je comprends bien. Ah! Contrée! Putain, raté là. Bon, en fait, pour les buter, il faudrait plutôt un sabre ou katana. Je sais pas. Est-ce que je les ai vendus? Un coup de touffe, ouais, ça c'est totalement inutile. Ouais, j'ai vendu les trucs portés vers le haut. Wow, attends. Ouais, ça je vais garder le fouet parce que j'ai pas l'impression qu'il faille rester sur la courte portée avec lui. Ça a l'air chaud ça. Pou, pou, pou. Hop, c'est bon. Il a l'air bien chaud quand même. Je vais éviter de. Hop! Non, 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 non. Voilà, c'est bien. Les armures disqueuls, là, j'ai pas envie de tomber dessus à tous les étages parce que ça me fait chier, je pense. Vu la taille du truc. D'accord, il y a un dieu quelque part qui m'en veut. Hop! Non, c'est faisable quand même. Une fois qu'on a la petite technique, tu sautes par-dessus. Hop! Ah merde! Non, il n'y avait pas la place là, c'est un échec. Échec total. Putain, mais je vous en veux pas, vous, cette Valkyrie là. Pas affronter. Fallait pas me faire chier. Wesh. Et là. Et je te saute dessus. Et t'as rien compris. T'es triste. Vas-y, remballe ton disque. Va-t'en, retourne chez toi. Ah là, est-ce que j'ai. Ouais, c'est quoi ça? Marche sur l'eau. D'accord. Bon bah les gens, je vous présente ce Macruz, dit Jésus. Tranquille. On va sur une dernière petite armure, hein, pour le plaisir. Et il y a. Ah bah on peut continuer, c'est quoi ça? Renting. Ah! Ya. Alors, ça fait quoi, Hunting? Épée empoisonnée. Ouh, c'est à quelle portée ça? Ah, ça a l'air bien, bien méchant ça. Limite, je vais le garder. Je vais voir un peu, je vais le tester un peu. Ça a pas l'air d'avoir autant de portée que. Non, ça n'a pas autant de portée que l'épée fouet. Mais c'est déjà pas mal du tout. Pour faire chier les petits monstres là qui vont se rapprocher petit à petit. Et là, pan! Un coup de hunting et là. Oh, t'es crevé. Petit exemple. Ah, et 77 quand même, ça fait bien mal. Ouais, c'est acceptable. Je prends. Parce que quand même, niveau dégâts, il était temps de remplacer l'épée fouet. Hein. Franchement, je l'adorais, mais voilà quoi. Au bout d'un moment. C'est dépassé quoi, c'est trop vieux, c'est trop bas niveau. Hop.
Là, par là, y'a quoi, allez. Hop. Ouais, par contre, c'est chaud au niveau de la portée. Limite, je reprendrais bien ma petite épée fouet, quoi, parce que pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Attends. Déjà, est-ce qu'il y a un truc là? Non, totalement inutile, d'accord. Ah, ça, c'est pas censé être pétable. Wow. D'accord, je me disais bien, il y a un mec bizarre qui me suit là, type un peu chelou. Mais. Démon Kyoma, d'accord. Qu'est-ce que je t'ai fait, toi? Allez, vas-y, sors, que je te démonte la gueule. Oui. Hop, hop. T'as peur? Avoue, t'as peur. Ah, enfin, t'es. Hop, hop. Ah, ça, j'ai une ombre. Très bien. Parce que je me suis dit un instant, putain, j'ai buté un démon et je deviens un genre un vampire. C'est ça la condition. Hop. Et voilà. Ah, c'est bien contre les Valkyries, ça. Hop. Clé, voilà. Et là. Ah, d'accord, il faut le mettre en âme. Hop, c'est quoi? C'est. Ah, bah, c'est là. Marche sur l'eau, très bien. Je suis Jésus! Bientôt je vais faire la multiplication des pains. Par contre, s'il faut transformer de l'eau en vin, ça ce serait pratique. Et du bon, hein, pas de la piquette. Parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Si tu te bourrais la gueule, tu n'utilises pas du vin. C'est du gâchis. Hop, bon. Assez parlé. Hop, putain. Là, j'ai pas beaucoup de points de vie par contre. Merde, c'est quoi ces épées? Bon. Je vais éviter de crever. Très franchement, ça me saoulerait. Ouais, là, j'ai l'impression d'être mal parti. Hop. Y a pas un truc de sauvegarde pas loin. Hop. Ça, je sens que c'est un truc de sauvegarde. En fait, non. Et ça. Et là, à droite. Non. Non, c'est la crise. J'ai un peu honte sur les bords là quand même de m'être tiré en lâche et de maintenant de tabasser des pauvres servantes totalement inutiles. Attends, Perséphone, qu'est-ce que tu fous là? Va te trouver une vie, un emploi. Va te trouver un mari. Deviens une bonne femme au foyer. Oh, c'était quoi ça? J'aime pas ça. Maman, tu perds. Il y a plein de gens bizarres. Oh merde. Je vais crever. Bon. Il n'y a plus rien à bouffer là. Non. Ça c'est pas bon. Alors. Voilà ce qu'on va faire. On va sauter par là. On va esquiver au maximum. Hop. Voilà, esquive. Hop, hop, hop. Voilà, là on va à gauche. Je suis complètement paumé. Est-ce que je peux pas regarder la carte? Ouais, je me rapproche d'un truc où j'étais déjà venu. Ça me dit rien, ça. Oh putain. Ça, c'est une potion. Yes! Il me restait 11 points de vie. C'était vraiment mal barré. Bon, par contre, là, je suis un peu. J'ai l'impression que j'ai tout à refaire, mais bon, tant pis. Squelette chevalier, bah je l'ai déjà. Très bien. Oh, une bonne vieille armure. Une bonne vieille armure. Ça faisait très longtemps, ça, dis donc. Hop. Ah, les bons vieux archers totalement pourris. Ah, ça me manquait tout ça, franchement. Les bons petits ennemis bien faciles à tuer. Oh, des chauves-souris. Oh, j'en rêvais. En un coup, ça crève. Si, c'est pas beau. Non, mais parce que des fois on va sur tous les gros monstres, toutes les Lilith, tous les gros bourrins comme ça, alors que au fond tout ce qu'il nous faut c'est une bonne vieille armure H. Et là, et voilà. Non, mais on connaît plus le plaisir simple de tuer les monstres comme ça de bas niveau. Un peu de farming totalement cruel envers les pauvres petites bêtes. Qui n'ont rien fait, qui sont totalement inoffensives. Oh, un dragon blanc. Tu sais qu'à une époque tu m'énervais, toi. Maintenant je te bute en deux coups. Et t'as la rage. Et t'as la rage. Bon.
Cessons de déshonorer ces pauvres créatures et continuons en essayant de trouver un point de sauvegarde. Et après, il faudrait que j'aille voir le militaire, la Hammer. Histoire qu'il me revende 2-3 trucs. Hop, hop, hop. Je te sentais venir, toi. Hein. Petit coquinou. Et je te pardonne. Je t'aime bien. Enfin, maintenant t'es mort, donc tu t'en fous. Mais c'est pas grave, je t'ai pardonné. Pour ta mort. Maintenant, je vais faire un petit silence pour que vous puissiez admirer quand même la musique. La musique presque traditionnelle des Castlevania. Qui franchement est... Je sais pas, c'est tellement dans l'ambiance. Donc je me tais 2 minutes. Que ce soit ça ou les bruitages, très franchement, il faudra que je regarde plus tard qui était le sound designer dans le jeu, mais c'est franchement, franchement du beau travail. Comme dans tous les Castlevania d'ailleurs, les musiques sont toujours top. C'est une série de jeux qui a quasiment, quasiment fait un sans faute, hein. À part bien sûr... Bah, dans les plus récents, Castlevania Judgments, qui était un crossover totalement raté. Et je fais partie de ceux qui se sont fait arnaquer, mais bon. C'est quand même une superbe série, Castlevania. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. Bon, maintenant je retourne encore sur mes yeux, mon monstre. Oh la vache. Un vieux soldat de la Seconde Guerre mondiale. Un Prussien. Un zombie Prussien. Si c'est pas beau. Allez, vas-y, fais-moi mal. Fais-moi des 1 dégâts. Bon, il y a des limites quand même. Ah, des yeux. Des yeux qui volent. Si c'est pas beau. Ah. Et ça crève tout seul. Avec un seul coup. Ah. N'empêche, je l'ai pas empoisonné. Elle marche bien. Hein. Ça, c'est clair. Hop, si je pouvais. Hop, hop, voilà. Si je pouvais trouver par contre un petit coin où reprendre ma vie. Parce que là, même s'il me reste 78, bah, il me reste que 78. Donc il est temps de trouver une carte. Ok, il faut que j'aille à fond à droite. Très bien. Hop. Ce macrose se balade tranquillement. Oh, un zombie. Des zombies. C'est trop bien. Allez, tapez-moi les zombies. Vous êtes totalement inutile. Je suis heureux. Et on se fait des brochettes comme ça, tranquille. Allez, venez, faites la queue. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y en avait un autre à gauche. 6, 7. Allez, soyez pas timides, venez mes petits. 11, 12, 13, 14, 15, 2 d'un coup, très bien. On fait de la queue proprement, les enfants. Hein. Pas très correct, sinon. On va être 21, 22 environ. Bon, je vais avancer un peu parce que là, vous devez vous faire chier. Moi, je m'amuse comme un con à buter des zombies totalement inoffensifs, mais c'est pas tout ça. Il faut qu'on aille buter je sais pas qui, d'ailleurs. Il serait temps que je sache un peu quel est l'ennemi ultime du jeu, parce que bon là... Quoique c'est peut-être la meuf, là. Je me souviens plus très bien vu que ça fait longtemps. Mais je crois qu'il y avait une meuf qui nous avait dit qu'il fallait qu'on se méfie d'un mec qui était pas net, enfin... Mais je crois que je l'aimais bien parce qu'il était habillé en blanc, si je me souviens bien. Et il disait qu'il était un missionnaire ou... Enfin bref. Bon, j'ai retrouvé ma vie, très bien. Ce sera tout pour cette première partie. Donc voilà, c'était une petite remise en bouche, n'est-ce pas? Après un mois de pause. Pour retrouver le sommet, etc. Passer très très près de la mort, etc. Donc voilà pour la fin de cette partie. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée et ciao, à la prochaine.